Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yeba TV, spécialement sur cette émission Éveil Patriotique, place Oyo, Bozoaka. Ben, information, il y a solo solo, il y a Mbo Kanabiso, République démocratique du Congo. Lelo, actualité, et Zabongo dominé par le retour, il y a chef de l'État na Mboka, République démocratique du Congo, Azalagi Bongo na Belgique. Mais de son passage na Belgique, il a accordé interview moko et pas bandeko na biso ya Top Congo toko analyser yango na kati ya émission Oyo et puis exclusive toko lobela dossier ya Mike Kalambai qui avait livré son concert au stade des Martyrs après suite ya dossier zandenge nini boyoka ki bongo batu bakufa ki kuna ça a créé tolé na kati ya communauté congolaise. Makambouana, Ezo Kenenengenini, restez branchés. Sur Yeba TV, vous allez avoir des informations à ce sujet. Naza bongonga moko na plateau Oyote, toza na ndeko Abécholé, yazali communicateur à IDPS, aza souya représenté te. Mais spécialement pour cette émission, toyambeli binon ndeko Aaron Bokenge, yazali chroniqueur gospel, bokoyo kaye, aye vraiment na ba vérité, na ba révélation. Vous allez brancher na émission Oyo, Bokozwa, Banyouz, Abbé Cholet. Bonjour et bienvenue sur Yeba TV. Bonjour, Nayo DG Chadrak. Bonjour, Nande Konabison Aaron Fokenge. Et pourquoi pas na Steve Konde HD, na Somona Dere Kamera Meshak. Et pourquoi pas Mike Tiswaka. Et aussi, après cette émission, je crois, Torolanda Joseph, ou soit Mitteranaya, okay. Avec Pasteur Guili. Merci. Naba bonne nyonso ya Yeba TV ndenge ba soutenir kabiso ba partageaka wana tozomona ndeko na biso Chambui Delson en direct en Mbujima IDG na Mbujima ba tchaka vraiment caméra boye bat bazolanda be mission pour ba yeba situation politique mboka pourquoi pas madame Rachel Dilière, Julie Bambi et Chantal Roger. Très bien Abécho, les actualités za bongo dominé par le retour ya chef de l'état toko signaler que za déjà na Kinshasa ya kenda ki bongo na mboka Belgique pour des soins de santé, mais ebele l'Obama qui sur la situation du chef de l'État, au hasard un état critique à cause d'un gâté, mais finalement il y a eu azongi, tout le bani nipo na bateau, bazaki ko banga na bateau, bas détracteurs na yo babanoko tiré sur le chef de l'État. Ouais ouais, na yebi bien batebele bakani sagi parce que ça c'est deuxième mandat chef de l'État. Et selon la Constitution, le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois seulement. Bah tu vas comprendre que ça, selon la Constitution. Ça, c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Tout le cas, malheur. Il y a une rébellion dans la Union sacrée. Aucun des pays, ça m'a loukonde, Ozonga Boye, Pamoukamba, Soy Banani, Oya Boye, Carola Guito, Bato Bayibi Nasonas, Bayibi Pé na Katia Senawana, 3 millions de Bobunga, mais Bakomi Koutelme, la chef de l'État. Alors, ne pas comprendre tout ça, la rébellion. Le chef de l'État n'était pas malade. Mais moi, bah, malaise, le coup, la santé, c'est normal, et Zalaki. Mais Batebele, Balinga, bah, diabolisé, mais il n'y a rien. Très bien. Tout ça, bon, on a un déco Aaron. On a copié ça directement. Mbote Ndeko Aaron Bokenge. Bonjour, bonjour, vous êtes merci d'abord. Beaucoup, en tout cas. C'est la première fois. La... Oui, c'est la première fois. Vraiment, on a apprécié d'abord. Merci. Merci à l'accueil. Vous depuis na Mataki. C'est une très, très bonne impression. Et puis de voir des jeunes dynamiques comme vous, Boué, Kosala Likamounen et Boué. C'est vrai que Batebele, on peut s'abîmer nos chances.
Mais en tout cas, mes impressions sont très bonnes. Donc, merci, merci pour la Ningo et Minga Lelo. Et puis, Abbé Chole, merci Ming et accueil Nabino. Je suis très content. Pour la Ngaï, Nabi, que chaîne nous a chaîne à mener Nebatébili Batala. Vraiment. Donc, ça dit que comment a ils appellent l'un des signes à réussite. Vraiment. Ça dit le roi n'a pas la combien. Namoni sait que il a peine à bassiner avec ça. Très bien, ma porte à Yeba TV est toujours ouverte pour Nayo. Merci beaucoup. À tout moment, en tout cas, tu peux venir. Ndeko Aron, oui. Actualité, Zali Bongo retour. D'abord, il y a chef de l'État, Tolo Belayango, parce que Makambwe Bele, l'Obama qui sur son voyage Namboka, il y a Libanda, il y a Papaya, qui est état de santé à chef de l'État, Zaki vraiment mabé. Et tout le monde a qui même communiqué officiel, il y a cellule de communication, il y a président de la République, bah communiqué qui. Mais finalement, autour de cette communication, il y a eu tellement de critiques. Bato Bayaki, pour nous semer Makamabe autour de la santé à chef de l'État. Lelo Azongi, il est en forme, en bonne santé. Il s'est dit convalescent, en pleine forme. Lelo Tolobandengeni, pour nous Likamboan. Vraiment, d'abord, Tokumi Sinzame, pour nous Asali, pour nous santé à la chef de l'État. Je suis très content et puis je félicite en même temps l'équipe de communication qui accompagne son excellence chef de l'État. Parce que. Aujourd'hui, il faut le dire que Bisonio Sotokomani na moi Koyoka Yoka Tozomitu na mais c'était une interview réussite parce que na quatre intervenants, il a réellement parlé et c'est que l'on a Sepelarana président de la République chef de l'État, c'est que c'est vraiment quelqu'un de très naturel et il explique Bisoto Mesana maramona te dambogo. To tika la romo la président te akosola ga o veni Tozomitu na ba question. Ma vérité a kobeta na normalement il est très naturel, il vous explique que en tant qu'humain, il a connu des petits problèmes de santé et maintenant ça va. Nous sommes très contents et beaucoup de félicitations à l'équipe de communication. Oyo Batenaïk interview et Salama, ça a éclairé l'opinion et éclairé la lanterne et Bélé. Donc aujourd'hui, on peut se faire une idée de comment ça se passe dans le pays. Très bien, avant de continuer cette émission, je vous signale déjà, mesdames et messieurs, restez branchés. Coaché, Oyazuna, un abonnement a été, banda déjà qu'on s'abonne, tu partages l'émission parce qu'il y a des révélations de vérité. Moko Oyo Kobeta, mon émission Oyo. Bon, ça vraiment scotché. Mais avant de continuer, na ko kende na lomba ngou na régie, na sen Steve Konde, a tse la biso oeza ki bongo, une partie ya interview ya chef de l'État, nini, makamouni na loba ki bongo na mboka Belgique, bongo to ya ko zong a to analyse yango, vraiment, bon, ça la, moutema ya ko kita, restez branchés sur Yeba TV, toke na régie na lomba ngou, Steve Konde, tse la biso elema wana bongo to zong a to ya ko analyse. Remarquez, voici le petit candidat de l'UDPS, à la culture, il y a un copain, à la présidence, c'est M. Yves Dorme. Ce sont des gens, ils sont compétents, prêts à défendre l'UDPS au Sénat et à défendre le peuple congolais. Voyez-vous-même comment ils sont soutenus, ils sont vraiment soutenus, voyez la masse, ah oui, voilà, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, ils sont déjà au poste. Oui. Ah oui, les tickets de l'UDFS, soutenus par le chef lui-même, soutenu par le peuple congolais, soutenu par Dieu et par la base. Vraiment commenté. Voilà. Voilà, bravo. Bravo. L'homme social, l'homme qui aime les gens, ton prêtre je, monsieur le président, vous avez cité le ministre de la Justice sans le citer. Justement, je voudrais poser une question à son sujet. Sa nomination en tant qu'opposant a surpris agréablement beaucoup de gens. Très bien. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture aux forces de l'opposition? Bien sûr. Est-ce que c'est un jalon que vous passez? Bien sûr. Pour dire que vous voulez rassembler... Bien sûr, c'est une ouverture, bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais... Il y a eu une demande,
allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? J'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont reçu une délégation du Fonarev, promettant de s'impliquer dans le combat du Fonarev, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que... Très bien. Décoirons, on a interview et on a eu un peu de place à la base. On a déjà pour chef de l'État à la révélation et puis à interpellation. Et on a eu déjà un peu de Congo. Il y a plusieurs éléments, en tout cas, à retenir dans l'interview à chef de l'État. Mais premièrement, chef de l'État, lobby. Et Lugomogo et Tikenga Makasi. On va ouvrir les cadavres dans les placards et les gens vont découvrir comment le pays a été trahi, volé et pillé pendant des années. Tout retenir Nini. D'abord, na Malubawana avant tout coup. C'est une révélation fracassante parce que aujourd'hui, il faut le dire que Nkolo Toroye Baba ennemi à Congo. Parce que le problème du Congo, il est externe et aussi interne. Mais ce qui est le chef de l'État, comme dans le niveau de Rolobake, on va ouvrir le placard pour sortir tous les cadavres. C'est-à-dire qu'il est suffisamment informé, suffisamment outillé pour faire ce travail. Bisonnion, ce peuple congolais, autour la bison, autour de la bandabou, tu as prêt ton lobby que Afungola Toyeba. Afungola vraiment. Afungola. Afungola Toyeba, que tout le monde soit éclairé. Non, mais venant de lui. Je pense que si on dit que papa nanda quoi le bis en est assez, c'est une comme peine à la souka. Afungola les placards. Et je pense même que le choix de Constant Mutamakwa, ministre de la Justice, c'était un très bon choix en tant qu'opposant d'abord, qui prouve que voilà, c'est un gouvernement ouvert. Et je n'habite pas que c'est le moment. Pour que, au moins le titre de l'émission, c'est l'éveil patriotique. Ouais. L'éveil patriotique sert à nous ouvrir la tête. Et moi, je pense qu'il est grand temps d'ouvrir les placards et qu'on sache, que le peuple congolais sache. Très bien. Abbé Cholet, chef de l'État, a passé Bongo cette mission, la ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et président Makambo Tolobelaka, Tolobeli, Angope, Mingi, ces derniers temps, Makambo ya Justice. Alors, Ngonga Ebelemi, chef de l'État, Justice et Fongola, boîte à Pandore, Mabiloko, tout et Bomba Malelo, et Gobimana na Justice et Bongo. Justice à Salam Salana, au moins il m'a l'obéi en ya chef de l'État. Merci vraiment, DG Chadrak. Merci na yon de ko Aro, na maloba na yon na sepeli makasi. Merci pe na bandeko bazo landa biso momango yango yo DG makambo koki. Tango yango tozako luka. Makambo nga na yo na bandeko ba mitera to sala bemisho ngonga ngo yango ekoki. President zako c'est la moment opportun. Oso ka même nzambe ako sala makambo nyonso na même moment. Mais dans la Bible, le Dieu Tout-Puissant a chaque chose à son temps. Il est maintenant le grand temps, même selon la volonté de Dieu, que Félix Tshisekedi Fongola. Le lot Fatia a commis prêt. D'ailleurs, avant de répondre DG Chadal, na koye bisa bandeko ke Fatia Zongi na kanda émission ana mokonza mboka za déjà wa marie batunyo so balobaki les chefs ont déjà été ici. Mais DG Chadal, je m'excuse par rapport à question ana, on a retenu deux choses. Le Mokonzamboka Lobeli sur santé nae, Mokonzamboka Lobeli sur détournement, et Mokonzamboka Linga Fongo la porte pour Joseph Kabila. DG Chada, pardon, deux minutes, Kagana Fongo la démo. Merci beaucoup. Abécholé, maintenant,
Eloko moko etike biso makasi na makambo ya dossier oyo est-ce que bako fongola ba dossier nyonso parce que ba dossier zebele na mboka oyo. Oui oui. Ba dossier mususu ezali awa eko créer vraiment tolé ya makasi est-ce que e ozate mo konza mboka ko fongola kaka ndambo mususu akotika to ezala pena nyonso. Non non. Déjà chata mo konza mboka moni vraiment que makambo mabele ki trop na mboka. Mhm. Amoni oyebi ti na zolo bakena lingina lobela sir sanctions de Joseph Kabila na détournement par rapport à makambo mokoza fongola parce que batebele ba kosi biso y compris ba jila lingeta jila lingeta pa kola nikola kaza di bozoba mais elle va tout ni muto azo gérer mboka pona makambo mbo deje chada ka lobini wale zakaka nini donc c'est à dire bande ko na bonde libino boza la calme nyo se zo fongoma s'il s'agit Kabila était malin deje chada je m'excuse ti abimi na mboka sake ba service a sécurité ba yeba akimaki ayeba ki ke moma na ye komi poche pour le bakanga très bien tokota voilà. Mamoli kamba Joseph Kabila a bécholé le président de la République a fait une déclaration très forte en confirmant que Joseph Kabila c'est lui qui est derrière l'AFC il a pesa ki bango bongo le boko ba travailler longo mais il a été boyu côté Batou Bazaki déjà n'a pas plan na bango entre autres Joseph Kabila Azaki déjà n'a plan na ya ko créer mouvement ya résistance au AFC pour na ko créer bongo désordre na mboka to lo bani pour na dossier mais mon conseil boka ko constater de nature ya président Félix Tshisekedi a ko sarate batebele peut-être ba yebe chef de l'état DG Chadrak so ki omona ki président Félix Tshisekedi lo la secrétaire nationale à IDPS on yeko comprendre lo la secrétaire générale adjoint en charge des relations extérieures et on peut comprendre le quoi la président ya IDPS Eli na Congrès si président Félix Tshisekedi au moment que c'est un homme intègre et vrai Fatia Kosakate c'est un homme de cœur aux hommes en dingue batébélé ba Kosa Kabuya pour bana basi nous sommes tout autour à Kabuya peut-être combo na pesote ba benga kai bana basi toutes les femmes des jeunes filles qui sont aux proches de Kabuya on dit combo ba benga Kabuya un père avec un cœur d'une femme d'une mère Naibite babenga ebongo pourquoi? Naiba te meto ko yana makambu nae. Pona ko yebisa ba. Je vous dis vrai. Batunyoso mona, tout na batunyoso. Un père avec un cœur d'une mère. Avec un cœur d'une mère. Naibite, wana toya. Deje Chadrak, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc c'est-à-dire ngonge koki. Fatia yeba ki ne déjà que ti Corneille Nanga Akimi en tant que ex-président Sénat, ya Seni a comprendre que mutaki mi c'est Joseph Kabila. Fatia yeba ki. Mais aboya ki akende mbamba. Ayeba ki pe momo porte ni na kolobela yango. A comprendre pe ke bato bazala ki na comprendre na ye. Même na union sacré maloba oyo mokonza mboka alobi e ningisi bango. E ba konzebele bazana kacha union sacré ba musu na kacha gouvernement, ba musu ba sutuka peut-être par rapport à mission na biso to sa lande kwaro ke mokonza mboka za deja. Après cette mission là. C'est-à-dire quoi? Vérité to bima, Kabila boma. Kabila yiba, Kabila bonga na vie. DG Chadrak, je m'excuse. Naibin Beko, Arwa Zozo Maloba. Kabila, c'était un ancien Kadogo. Na 97, R. Kabila, Agoya, Agoya, Lokola Kadogo. Na pété, Ata, Sergent Majorité. Mais bah, Mboko, Panda, Zago, Tonga, Kinga, Kachina, Zaraki. Il y a tant de choses que nous allons rêver. Très bien. Abe Chole, avant de te rebondir, Nande Kouaron, les loyaux, dossiers déjà dans ma boucle à justice. Oui, oui. Nini, il faut que ça, Nande Kou, Joseph Kabila. Est-ce que justice a banda déjà procès contre. Joseph Kabila, pour pas bien naïza a, entreprise naïza a, asana makambo bele a, nini, ba action ni justice et sengeli a mené déjà. C'est-à-dire arrêter Kabila et sa femme Olive Lembe. Ok. Fait les mains ouana. Yangwana nazo senga na ba communicateur nyonso. Botika lo yenge, si vous soutenez vraiment le chef de l'État, le ministre Constant Mutamba, asa muta ko soutenir. Totika lo yenge mutu moka Kabila mo eloko bandiko petele mabongo, c'est la bassesse. Soutenons Constant Mutamba. Dossier à Joseph Kabila, DG Chadrak, oh, biso to banda ko lobela kala. Batebele ba seka ngana yo ba lobete, makambo Kabila bolobaka ba kanga kaete. Lelo je vous informe, cher internaute, cher abonné de Yeba TV, que dossier à Joseph Kabila ezana maboko ya ministère ya justice pona ko kende ko pesa na juridiction oza et ko ki ko interpeller Joseph Kabila lokola ex président de la République. Très bien, makambo eza ko yinda ndeko avant. Tomoni bongo chef de l'État, c'est lui le garant de la nation, c'est lui le garant du bon fonctionnement de cette nation. Il a les informations, il a les services de sécurité. Namabo Konaye, Ayebi, tant qu'on a tenir déclaration, c'est qu'Ayebi porté Nango, Ayebi le pourquoi. Les loyaux, toujours révélation, il y a derrière AFC, Joseph Kabila, Nde, Moutazana Simanango. Alors, Makamouza déjà na
na niveau ya justice ni niete ni nesengeli ko sala rapidement pour déjà mettre en action ma révélation ya chef de l'État. En tout cas Neko Shadrack et Apasiming et Amawa bisonyo soto yo ka déclaration na isa révélation moyen makasi au président de la République Sali. Joseph Kabila na mboko oyo mboko epesie nyoso mboko esali o aza wana lelo mais moi ça ne m'étonne pas parce que à côté la kinzela wana et après le pouvoir il ne sait plus quoi faire azonye le mandoki sous donc jouer na ye babiloko na ye makamneza mandoki il a passé mingi omoni ba mutu o aza silencieux to ando kan sa silence on a bat bazolo bakara azobeta kara azobeta kara mais moi je pense que celui qui est plus silencieux est dangereux que mutu azolo ba. Et bien voilà les révélations. Voilà les révélations. Bisoko tout peuple congolais na président de la République bisonyo sotoza d'accord to yebaike. C'est pourquoi je dis que Félix est un homme de cœur. OK. Pourquoi? Parce que tout le monde le savait que soki kaka mandat ya Kabila et s'il soit as un exil soit bakangie soit e ozamabe ka raponae. Maintenant ndenge le lobo peuple congolais limbisa to vana na ye to tika et Félix est un homme de cœur. Félix Tshisekedi c'est un homme de cœur. Mais si au moment que le président de la République a comme un niveau abimisi ba révélation wana ya ndenge wana, c'est que c'en est de trop quelque part. Ouais, et ouais. Moi je pense que la justice doit faire son travail. Constant Mutamba, ministre de la Justice, osa jeune logo la biso ezali elenge logo la biso. Naibi que yo au moins tu n'as pas été parachuté oyebi l'odeur du bas. Comment ça se passe en bas oyebi biso peuple congolais ndenge to vivra ba jeune ndenge to vivra. Biso zo chama boko. Biso zo soutenir yo. Papa, salam sala, s'il te plaît. Même si le président de la République déjà lobby déjà boyé pour na biso peuple congolais, c'est bon. C'est bon. C'est déjà bon. Il a déjà fait vert. Il a déjà fait vert. Et je pense que Kabila doit tirer des leçons de Marambo ni sozo sala moko. Un jour il faut tirer la leçon de Marambo sozo sala. S'il n'arrête pas, nanga torolo banini pour na nana. Nanga biso nous te dit que c'est une marionnette. Tout le monde azo mona lelo nanga la ti tenue militaire. On sait tous que nanga c'est une marionnette. Moutou bazo utilisé. Alors, lelo mona je ne sais pas que je ne savais pas, Bisson Stoyani n'a pas de doute. Mais si le président de la République, je pense qu'il est très, très, très bien informé, jusqu'à citer nommément le nom du président honoraire Joseph Kabila, je pense qu'il a suffisamment d'informations. Très bien. Ndeko Aaron, tout le monde a qui bon opé une certaine forme d'acharnement à la personne du président de la République et à ce qui est son bilan. Bah, tout, déjà, bah, non, il a échoué à Okokasu, c'est fini. Mais le président de la République a répondu à la question à l'lobby, gouvernement outil à peine qu'on s'installe, bon pays ça est temps. Bon, je gère nous, na Makambo et Kole Kasikote. D'ici 2028, vous allez revenir avec un autre discours et beaucoup moins nakéba six axes naé ou à l'lobby qui a travaillé à co-réaliser, on peut à concrétiser ba promesse sinon tout au yapesaki. Au moni maloba na nengen. Nous sommes à une étape, la République démocratique du Congo actuellement est à une étape importante de son histoire. D'abord, nous vivons l'avènement de la première ministre, c'est une femme. Une toute première. Et je pense que Topé, ça est chance. Topé, ça est chance pour obtenir les résultats. Tout à la d'ici janvier 2025. Voyons voir. Et je pense que dans son discours, vous avez entendu plus d'une fois, il a manifesté ce souhait de voir les choses évoluer. Et donc, total, d'ici 2025, d'ici janvier 2025, moi, je peux dire, Nabakino, n'ayant le barat, tout peut sa maman chance, tout peut sa maman, je dis, tu m'as la chance. Total, n'ayant ma caméra Kenny. Très bien. Abbé Cholé, chef de l'État a évoqué acharnement, mais tu aurais remarqué qu'acharnement, il y a qui a été à l'endroit, il y a Yemoko. Chef de l'État, mais aussi ma partenaire Naye Totangi Lokola Nicolas Kazadi. Oyo, il est vraiment sali. Aujourd'hui, Moutouni Astoyebi que Nicolas Kazadi, Aïba Kimbongo, Asala Kiboué, mais bizarrement, lors de son interview, chef de l'État, il a eu à préciser une chose, que d'abord c'était une toute première fois, revue à FMI et Tome Mangoti Nasukana, la République démocratique du Congo, et tout ça grâce à Nicolas Kazadi, qui aujourd'hui se trouve être sali par des individus oyo bazana ba intention ya mabé to comprendre nini na maloba wana c'est non sûr à comprendre wana depuis kala nanga ba communicateur belozo mona ba communicateur lelo peut-être ba yé pendant que tu sais que le chef de l'État
avant que DG Chadraka bandako yambanga na Yeba TV boye DG Chadraka yebanga lokola parlementaire debout. Et ça, vraie histoire, pendant qu'on était des parlementaires debout, tous ceux qui ont soutenu Gilles Alinguetti. Mais DG Chadraka n'a pas eu Gilles Alinguetti, Alinguetti m'a conseillé Azalaki ko sala promotion. Mais comment mon tobi bolo bi amuyibi? Ba journalistes qui ne sont pas qui sont aussi des journalistes congolais. On a vu combien de personnes ba attaquer Christian Lusakwenu. Pour problème agir la lingette na cour des comptes. En attendant, notre constitution est claire. Et que nul n'est au-dessus de la loi. Même lui-même le président de la République a sa juridiction. Au Seigneur le Bassa Bissé au cas où il y a des infractions commises. Okay. Mais pourquoi quand j'ai la lingue, tu n'as pas tourné, bah, quoi, le moyen qui est de cours de compte, tout est fou, à dépendre d'un chef de l'État. On a premier élément, DG Chadra. Deuxième élément, bah, Sanla, qui est allé à moi, Nicolas Kazadi. Or, je suis un homme intégré, DG Chadra. Aux autres côtés, Nicolas, j'ai la lingue, tu as l'obi qui a ibi. Comme si j'ai la lingue, tu n'es Jésus-Christ. Or, j'ai la lingue, tu as bénéficié. N'abandonne pas, ni soit toi, habité. Parce que toi, n'as pas communicateur, j'ai la lingue, tu as foutu. Bas en opposition, va finir chef de l'État, mais à foutre la bango. Moi, je connais leur nom. Mais n'a évité n'a pas sa bango publicité, n'a pas combo na bango. Mais à cause de cela, Nicolas Kazadi, bas journaliste congolais, oh, bas en professionnalisme, on est quand même Israël Mutombo. Oh, bas banda Moussala, oh, l'ibosso ya Israël Mutombo. Bas poussé, bas tout lui, chef de l'État, question. Abi, non, non, non. Nicolas Kazadi, aza moutako respecté. Ça, c'est des propos du chef de l'État. Qui est ce communicateur, soit disant entre guillemets, communicateur de l'IDPS qui soutient la vision ou les actions du chef de l'État, peut contredire chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'a pas propos à lobby. C'est pour dire que tu commis dans mon mandat de Bible Loba de Jechada que chaque chose a sa fin. Tokomi na fin ya lokuta oji la ningi ta kosa biso. Abeshole, le loto lobanini po toko luka bato ba ko travailler contre chef de l'État, mais. Il est mon chef de l'État. A découvrir que. Lui, ça l'a déjà chadé. Il est contre chef de l'État. Lui, ça l'a émissionné le chef de l'État dans le domaine de la finance. Dans le domaine de la patrie financière. Au chef de l'État, il y a Gilles Alinguetti. L'émissionné, il y a un combo. C'est-à-dire, tout le monde a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà bien éduqué. Majorité, il peut être nommé ministre, mais c'est un indiscipliné. Un homme mal éduqué. C'est un homme bien éduqué. Oui, chef de l'État, c'est un homme bien éduqué. Sauf à mon numéro, ça la mérite. DG Chadra, pardon, entre guillemets. Jésus-Christ, où nous prions chaque jour. Ma bête, ça la sanctionne à Abisso. À sanctionner Abisso. Plus tard, après les avertissements. Je vous assure, peuple congolais, le chef de l'État paie ça. J'ai la ligne de l'avertissement. J'ai la ligne de l'avertissement. Souci na yeye zalaki mama Judith Suminwa oyo aza la premier ministre était DG Chadra na lobango chaque fois Israël Mutombo benga na cheno tuna yeye pourquoi azalaki na kati ya poche chef de l'état te ayebaki ke ba renommé une dame comme premier ministre azalaki yango avant na émission na yeye ezaki comprendre na bango Gilles Alinguetti na o azaki directeur cabinet à l'époque excuse DG deuxième élément pour na chiter le konanga Aaron Azamaloba. Deuxième élément, c'est très important. Gilles Alinguetti va couper le chef de l'État, Nicolas Kazadi. Chef de l'État, Pekisa va m'en biloko. Pourquoi Zalaki ko pota Nicolas Kazadi Bouzoba? Parce que Gilles Alinguetti a Zalaki ko envié. Ce qui entre yé, Abimi premier ministre, c'était Azo poste à ministère à finance. Pourquoi Azo? Parce que ni Gilles. Yawana DG Chadrak, Gilles Alinguetti a Sali. Si quoi, il va mettre en défi. Tous les communicateurs de l'IDPS, Gilles Alinguetti à Sombaki, si réellement, si et seulement si, bah ça vrai communicateur à l'IDPS, bah il va contredire chef de l'État. Parce qu'à l'époque, et tout ça, les missions dans Mayo, bah ça attaqué Bissot, bah ça va être Bissot, on l'aime, on a Gilles Alinguetti. Voilà, vraie cause, parce que ça va le baké, Gilles Alinguetti à Zosa la business, Gilles Alinguetti à Zosa combattre chef de l'État, les nouvelles versions à moi et Bimi. Très bien, Abbé Cholé, merci. Ndekouaro. Tout le monde est bon à interview le chef de l'État de Kamou Italie Est et la République démocratique du Congo. Il a déclaré qu'il ne va jamais, alors jamais, négocier avec que ce soit le M23 ou soit l'AFC à la Corneille Nanga. Mais tout le monde a dit la toile, bah, tout déjà, maintenant, le chef de l'État est prêt à négocier avec
le M23 et même AFC, mais aujourd'hui finalement la PONA, il y en a Est et la République démocratique du Congo, ça passe par la négociation ou par l'option diplomatique prise par les chefs de l'État. Yo, analyse les analyses. En tout cas, je pense que chef de l'État tient le bien en haut. Namoro, l'analyse personnelle, je me suis rendu compte que l'énorme négociation, Kouyo Kalana, ba rebelle, et même la biseau, ba mixage, ba brassage, na armée. Si que l'armée en haut, l'élo, ou est toujours le bien, comme ba trahison, l'élo est toujours le bien, ba troupe, a commetti, place à sa revendre, attend, à sa rebelle, en haut, à sourd, à t'inquiéter, parce qu'il y a des choses là-bas dedans. Je pense que cette attitude de ne plus vouloir négocier, c'est vrai que Rebisson, ce peuple congolais, tout comme d'un niveau où Rebisson, c'est aussi un chef de l'État guerre. Il faut seulement la guerre. Espérons que. Il y aura des résultats. Mais au cas où, Néhémoine n'a pas posé des questions, mais bon, voilà. Ça va arriver. Au cas où il n'y a pas de solution, la réponse, Wana, je pense que le peuple congolais doit se prendre en charge. Se prendre en charge, ça veut dire l'option de guerre. C'est le, c'est armé. Il y a une part, c'est l'une des choses aussi qui a affaibli l'armée. Il faut le dire. Mais moi, je pense que tout comme d'un niveau haut, que, voilà. Après, en tente où il y a négociation, où il y a Luanda, ben pour le président de la République, en tout cas, l'option, il y a qu'on négocie, et là, bah, M23 ou soit AFC, il a déjà écarté ça, en Belgique. Est-ce qu'il y a les États-Unis ou soit Belgique, qui sont considérés bah, comme bah, partenaire fiable pour la question, il y a Est et la République démocratique du Congo. Officiellement comme ça, c'est ça la hypocrisie. Et tout le monde, on dirait Belgique à rompre la relation diplomatique avec le Rwanda. Pas de problème. Tu as vu, voilà vraiment la vérité, la ligne là, parce que la République qui existe, ça fait la Belgique ou l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, en tant que grande puissance mondiale, officiellement, on dirait Bamou. Pourquoi la zone qui officiellement renouvelée va voter déjà Chadra? Parce que, tout ça n'a contrat militaire de mon côté entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Malgré officiellement, bah, tu vas comprendre que les États-Unis et le Congo, ça va. Mais militairement, en ce qui concerne les engagements militaires, beaucoup plus de matériel militaire autour de l'Orango Lelo, et ce sont la Russie, la Turquie, la Chine, et d'autres pas les États-Unis d'Amérique. Alors, les peuples congolais doivent tirer les leçons là-dessus sans qu'il y ait un commentaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème là-bas. Donc, si ça soit la guerre à Est, je soutiens Maloba Ndebonanga, Aron, Bokenge, Ndegalubi, qu'il faut qu'il y ait une guerre. Donc, la guerre est obligatoire.
Très bien, mais je suis le talent, tout le talent du la IDPS, mon équipe chef de l'État, a évoqué qu'un mot, à l'obi, mon camoureux, le canal IDPS, et là, on a la vitalité démocratique, a employé même le terme à Kondo et Tchèn Tshisekedi, a bien eu la vitalité démocratique, et que, na kati kati, y'a un choc d'idées, on a mis lumière et que j'ai remonté lecture, y'a le chef de l'État a tout à fait raison. Chef de l'État ne peut pas contredire base naïe, à qui peut contredire mon tout, à ce sera intérêt, on a eu des pestes au guiste Kabouya. Vraie vérité, les gens ont la place, Nabisso, pour n'avoir le bagage. Vraie cause, il y a des ordres, nous sommes, c'est monsieur au guiste. Mais Abisho, tout le monde est vitalité démocratique, au président de la limite, tu as la Makamboleka qui lobby dans le Sénat. Mais l'hôtel, c'est qui? Tu assistes à qui? Mais je chante tout ce qui est dans Makamboleka. Un scandale, Steve Konda, pour balancer par l'image. Tout le monde a qui bon, comme on a Isaac depuis la non, depuis la candidature, il y a candidat président la poste du Sénat, il y a IDPS, na candidat na question, il y a IDPS, Afani, déposé qui va candidature na bango, mais ce qui s'est passé, c'est vraiment déplorable. Bon, t'as la image, en tout cas, bah qu'on panza même, bah bien public, bah bien y a l'État, bah panzi, bah vitre, bah tout basoki, a bécholé. En tout cas, il doit y avoir des limites. Non, non. Les limites, il faut ça là. Mais le vrai problème, c'est quoi? Déjà, Chadra, tu as 2 minutes parce que en tant que combattant de l'IDPS, n'a expliqué pas de quoi. Expliquez pas toi. Tout ça là est national. Nous sommes dans le plateau. Nakata plateau, il y a un bala, tout ça qui vidéo, il y a mbata. Tout ça là qui. Nous pouvons tout ça là vidéo en mbata. Bah, c'est là qui nous dit ça, que tout lundi, exécutif est parti. Tout lundi, bah, cadre est parti. En dehors, il y a la fédération. En dehors, même, il y a celui au place Kabouyaza, bah, désavoué. C'est l'île, et bâti le mission tout ça qui nous déjà chadra à l'obi clair que nazui bateau ba gérera IDPS ba l'obi que Kabouya ne peut pas engager l'IDPS au sein de l'Union Sacrée. Déjà mais nous c'est une vidéo. Par quelle force ou par quelle audace Kabouya ko kamba ba candidat ya IDPS qui tika bango en attendant la carte à l'Union Sacrée ba zo qui notification qu'il ne peut pas engager l'IDPS. Désordre nous sont et les qui na IDPS charge zanani Auguste Kabouya. Très bien. Et pour aller déposer d'abord ba candidature. Ni le pousser qu'il y a sur ma foule ou en annonce. Tous les gens n'ont pas eu la foule pendant la campagne du chef de l'État. Il était où pour chercher la foule pour le chef de l'État. Mais pourquoi il y a un côté de l'autre, il y a un côté de bureau, a déposé la liste. En attendant, il a engagé des pétés, il y a un foule. Il engageait quoi? Il préparait quoi? L'auteur, c'est lui-même Auguste Kabouya parce qu'il ne peut pas engager les DPS. Très bien. Abécho, le metomoni, n'a pas candidat où il va déposer. Tous les gens ont un candidat président. Monsieur Afani, et puis na Kester, candidat à Kester, tout le monde est Topin Kabongo Mukengeshai. Mais, tout le monde déplore, on dirait complètement que je suis autour à Topin Kabongo. Ouais, ouais. Augustin Kabouya, apparemment, je soutenir Topin Kabongo. Tout le monde est en train de. Ouais, ouais. Je suis en train de déjà Chadrake, je suis en Topin Kabongo, et le médecin Topin Kabongo, à la soupe en Augustin Kabouya. Tout le monde interview Augustin Kabouya. To talien et longi, to moni vidéo, to comprendre que Auguste Kabouya n'est candidat n'est Karo Lagito. Parce que, comment est-ce que d'abord, c'est ce qu'on appelle Afani, n'a évité, ce qui est Afani, n'inspire pas la confiance. Ce qui nous a soutenu, il y a déjà Chadrak, c'est au nom de l'IDPS. Mais personnellement, ce monsieur Afani n'inspire pas la confiance. Mais néanmoins, Kabouya a déposé soi-disant candidat à l'IDPS. Il parle seulement à poste à présidence. Et en attendant, nous avons dit qu'il y a une question place papa et nani, mais c'est Topeka Bongoazali, à l'ingiko le belango clairement, tu comprends, ne to bimi na émission na Yeba TV. Et même quand il y a dit ça, mais c'est la communication, il y a pas pro Kabouya, il y a pas communication plus sur le poste à présidence, mais en attendant, poste à question. Alors que Tika, il dépend ses présidence, n'a pas question. Mais bateau, pas à proche à Kabouya.
posé ma question DG Shadak na yeba TV tour ga débat contradictoire même bato baza proche akabule ba article ko lobana ba Facebook benga ba ba ruke mona mboka trésor lumbu vrai combattant il défend ça bon que ça la débat contradictoire ba koyate comment est-ce que ba proche akabule ba parle tout DG Shadak pardon pour 30 secondes comment est-ce que ba proche baza premier akabule ya oyu kabule balkaniser il défend ça diviser il défend a diviser ba parlementaire debout bato ya diviser il parle beaucoup plus na présidence ya Sénat et non à Kestir. En attendant, l'homme de l'UDPS, l'homme de confiance au UDPS a compté, c'est monsieur Topé Kabongo. Pourquoi Batagabouya, Basotana combat Topé Kabongo, Kabouya Yemoko ne peut pas citer le nom de Topé Kabongo, à ce que nous avons combo et présidence. C'est-à-dire, na Kestir, candidat au Kabouya Zolunga Bima. Et Zali, madame Carole Aguito, oh, il y a un problème de la justice, il y a 3 millions, la place est à Topé Kabongo. Mais bien sûr, base, Tobi qui est candidat à la mission, c'est Topé Kabongo. Très bien, Nikamouana, Tobi qui est collé. Et le juge Chaga, je l'utilise pour sa présidence, pour moi, dans l'Inabata, Ndeko Roger. Voilà, merci. Très bien, mais Tobi qui est compris, Nabangouana est collé, parce que l'IDPS, ils ont déjà éveillé, et puis ma compris, Nabangouana est aussi batté, mais tu sais qu'il y a base quand même, base à la éveillé. Nalikambo Itali, Tike ya IDPS. Topé Kabongo, c'est le candidat de l'IDPS qui doit être élu. Kester ya Sénat Wana. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Yeba TV. Restez connectés. Voilà, vous avez une actualité ya politique. Donc, on compte dans le deuxième sujet. Maintenant, Sengi, na bato, non, bah, s'abonner, ou s'abonner déjà. Ozo partager lien au bengi deux trois personnes signaler bango bazala connecté na Yeba TV ndeko aron to continue na deuxième sujet na biso to ko lobela likambo etali concert ya Mike Kalamba yo ezaki bongo le 27 juillet na stade des martyrs. En tout cas concert ezaki réussite totale même dans l'histoire ya mboka République démocratique du Congo. Il y a un concert na stade des martyrs. Je pense bien que Mike Kalamba aille à battre les records en termes de population au Baza qui présente dans stade des martyrs. C'était plus de 200 000 personnes. Ces concerts, c'était vraiment une réussite totale. Mais malheureusement, ce concert a été caractérisé par mort d'homme, les morts d'hommes. Batouba Koufaki, les bilans. Personnes qui ont perdu la vie. Et. Les lois automonie une certaine forme, il y a acharnement d'abord sur la personne, il y a Mike Kalambay, mais aussi sur la structure qui est Madjabou. Je pense bien que c'est Madjabou qui a organisé ces concerts. Ni Otoko pour retenir. Qu'est-ce qui se passe? Pesa Batuna nous état, il y a avancement, il y a Makambu, après concert, Nini et Kolekanangonga, Bakba et Bavato continue. En tout cas, merci d'être côté de ce sujet. Voilà, je me représente encore une fois de plus parce qu'on a tout le monde dans la casquette. On a... En tant que Banamboka, c'est normal de toujours brosser l'actualité. Je suis chroniqueur gospel depuis plusieurs années. Na Makambo et Tali Majabu Gospel, concert Wanezaki, concert historique. Vraiment. Il faut te lober la ramakamunenge zaleli. Il ne faut pas suivre les opinions aussi longtemps que d'abord de 1 aux alaku tout est un concert aux alaki pété yozo akande batu bazolo ba yopo bani ko relayer sans tout ko vérifier même sous ouais, non, papa on va arriver. On va arriver. Il faut dire que ceux qui te lobent les questions ils aillent plus pour un événement il y a concert à Mike Kalambay. Ouais. Nous avons assisté ici en République démocratique du Congo à l'un des concerts historiques de l'histoire du gospel ici en République démocratique du Congo. Pourquoi je le dis? Makamba Bueno et Salamate. On a connu ici des concerts à Sifiwe. On a connu ici des concerts Zalagi à Studio Sangomalamu. Mais dans les Kalamba, il y a Moïse Mbi et Zalagi. Mais bien sûr. Il y a Ferrego là. Bien sûr. Voilà. Mais dans le but, non, que mot à mot, l'année là, Makamba Bueno, il n'y a jamais eu un concert de telle envergure ici dans le stade de Martin. Pour la bison à Congo, Tolingare, l'eau reçu, en plus, père, papa, manga o eza o te la baboke la mobanga, yanguka ne baboke la mobanga. So, moni ki baboke la mobanga te yamsou na vie, c'est que non, telite, non, communité. On a assisté à ce concert-là. Moi, j'étais là personnellement dans le stade de Martyr. Je remercie d'ailleurs le Seigneur parce que, à permettre un événement à Buenavie.
podium, on a, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect spectacle, il y a l'aspect sécurité au Torolobela, il y a l'aspect son au Batubayokagi, il y a l'aspect spirituel. Donc il y a plusieurs aspects organisationnels. Sur Torolobela, tout le temps, il y a organisation, au Torobana, au cocher, Torolobela s'est retrouvé que peut-être que sur 5 sur 5, Madjab peut avoir 4 sur 5. Pourquoi? Le lot où il y a toujours le bela pour dire mon abisso nion sur tout ybi nganayo ndeko Shadrack na Kinshasa. C'est si cala comme mon podium y'a n'engue ou anaté. Ça c'est une première. Je ne connais pas les organisateurs. Non, n'attire la peur au coutana bah mon bouité personnellement. Mais il faut tout le bas vérité n'engue zala. Vérité ma cam n'engue zali. Papa l'engue. Podium y'a modèle ou anaté. Non, nous sommes tous les gens qui ont été en train de tribune d'honneur total. Pour dire, mon cher, c'est dit que tant que tu es là, tu n'as même pas besoin d'être sur la pelouse. Autant là, comme si tu es là sur place. Bon, ce que je veux dire, papa, son qui toko. Tout n'a pas tenu, on se voit qu'il n'y a concert, autant qu'il n'y a fallu, pour pas tout le temps, faire rigole, tout le temps, Moïse Mbié. La plupart des gens, c'est plat pour le sang. Ce sont plein pour le son. Mais le concert de Madjab Wami, tout le monde, je dis bien d'accord. Tu tiens à côté podium, d'accord. Côté son, tu es d'accord. Tu es sur l'aspect, il y a spectacle. Ah, papa n'a habité, hein. Bah, tu nous sous le barra pour nous relever. Bisous, nous sommes, tu sais, nous avons 100 000 personnes. Tu es bobo, et nous avons 40 000 personnes. Bon, tout n'a pas tout, il y a un stade côté spectacle. Mais quel beau spectacle! Mais quel magnifique spectacle! Et puis, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Voilà ce spectacle. Aspect spirituel. Ouais. Papa Nanaï, moi j'étais dans le stade. J'ai vu des gens prier. J'ai vu des gens. C'est tout le monde qui prend un concert sur des plans spirituels. Bah, tout. Déclarer qu'il mingi. Bon. Mais pourquoi, pas de différence entre mais pourquoi concert, les gens veulent s'apesantir sur. Lambda. Papa, pourquoi les gens veulent s'apesantir sur ce qui n'a pas marché? Mais parlons aussi de ce qui a marché. Ce qui a marché, aspect spirituel. Bah, moi, j'étais là. J'ai vu des gens prier, adorer le Seigneur. Mais bateau, bazo, no baké. Nous allons arriver à ce point-là. Nous allons arriver à aspect sécuritaire. C'est vrai. Aujourd'hui, l'œuvre humaine, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. L'imperfection est en là. Et l'homme est comme un instant de martyr. Moi, je peux le considérer comme un accident. Et allez, accident, personne n'avait calculé ça. Personne n'avait prémédité ça. Mais on a bien un homicide involontaire. Mais avant, au Sarababilo, il faut bien analyser avant de parler. Avant de crier, avant de critiquer, il faut bien analyser ma mère moine. Aspect sécuritaire, je pense que stade des martyrs est allié le royal état. Avant de continuer de cohérent, la bandit au lobby, c'était un accident. Personne n'avait prémédité ça. Mais Batouba, Koloba, que c'était prémédité. Ça veut dire quoi? L'organisation de ces concerts-là savait que débordement n'ingo salama et débordement moko ya makasi. Pourquoi? Parce que sur le plan logistique, bon, sur le plan statistique, on note il y a eu plus de 200 000 billets qui ont été vendus. Alors que tu as bien que capacité à stade des martyrs pour recevoir plus ou moins 80 000 personnes. Si on déborde, on peut aller dans les 120 000 personnes. Alors, Tolo Banine, est-ce que d'abord sur ces points-là, il s'agit de quelque chose qui a été prémédité ou il y avait quelque quoi Togo considérant comme accident? Je suis chroniqueur gospel. Nous sommes dans les critiques positives tout comme négatives. Et l'heureuse est bien Torolobo. Elle m'a bien fait Torolobo. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Madjabou s'était sous-estimé. Après, quand on a vu le concert de Moïse Mbié, le pasteur Moïse Mbié, Madjabou s'était sous-estimé. Le peuple congolais quinois avait sous-estimé Madjabou. Mais il y a un moment que campagne on est allé à Makassi. Et puis le pasteur Moïse Mbié, si à cela qui concerne Naïe, il a misé surtout parce qu'il savait que Madjabou n'allait pas blaguer. Madjabou n'allait pas blaguer. Donc il y a un sujet à billet par exemple. Au lobby que le stade des martyrs est compté dans 80 000 personnes. Mais tu as mis ce qu'il y a un concert à Fali faire et pasteur Moïse Mbié, il y a eu plus de 80 000 personnes. Y compris les personnes qui étaient sur la pelouse. Si tu vas couvrir la pelouse, on a. Bah, il y a une pelouse, on va contenir au moins 20 000 personnes. Mais si tu as mis ce qu'il y a un billet. Papa, nous sommes dans une organisation.
Nous savons tous que au côté de la moto billet les lots, le même pas mutabou nous super billet naï. Tout bas tout sous bayaka sur place pour nous recevoir ma billet. D'où je ne peux pas produire 80 000 billets. Je peux produire plus parce que je me dis que le jour J, il y a des gens qui viendront pour acheter des billets. Au monde. Donc dire que c'était prémédité, mais attention, ceux qui le disent, mais faut aussi le dire que Bissot peut te montrer une image et circuler sur l'ingé peut la partager. Il y a eu un concert ici au Stade des Martyrs où on a vu des billets avec un nombre de billets, les gars qui vont appeler. Très bien. Découvrons, donc aux zones là-haut, à Béchole, les loyaux, concert, il y a des cours pasteur Mike Alambaï, et ça, il y a des billets baloba. Mais tu constates une certaine forme, il y a acharnement autour, il y a organisateur d'abord, il y a concert, il y a des pasteur Mike Alambaï. Le concert est bel et bien, et vous trouvez même dans le Stade des Martyrs, sur le plan sécuritaire, le concert Moussou Souza qui est une totale réussite, mais tout le monde ne peut pas concert Moussou Souza qui est une réussite. Mais pourquoi, Kaka, dans le concert où il y a Ndeko Mike Alambaï, tout le monde s'est impliqué. Premier ministre, ministre intérieur, Tomoni, ministre de la Santé, gouverneur de la ville, et commis à niveau là-bas, arrestation, ceci, cela. Abbé Cholet, lecture Nao d'abord avant d'enchaîner. D'abord, le coup là, tu vas couper qui te repère, ça va condoléances et à ma famille, Anna, parce que ils ont vie humaine, même la parole de Dieu est claire, la vie humaine est sacrée. On ne blague pas avec la vie. Vraiment, ma famille, condoléances na bango. Deuxièmement, tolingito apprécié pende na yoka ma na sanguka akena ibite ndeko na biso aron bokenge azawa soka ko expliquer biso bien to ba rabeke majabu ezala ka coordonné par les couples bondo na yoka la les couples bondo oui na tikala mona babote les vrais problèmes awa tito lobelawa to lobelango pambate parce qu'il y avait mort d'homme DG les fêtes bakanga moto par rapport ya action commise à qui on peut couper sa responsabilité à mort d'homme wana. Parce que Mike Kalambaï, c'était pasteur, un serviteur de Dieu, ou à Lingui, a pesa, a spanza sangouyanza, mais dans le stade de martyr, a trouvé un producteur, na combo ya couple bondo. Couple bondo, a lui qui n'a pas produit rio. Et le stade de martyr est géré par un gestionnaire. Donc, pour aller se produire na kacha stade de martyr, on regrette parce que na couple bondo, na Mike Kalambaï, na yebana, artiste musicien chrétien, il faut demander une autorisation. Il y a concert, il y a stade de martyrs et pas il y a gestionnaire. Est-ce que Makambo na lobi et Salemaki, oui, n'a pas information tout ça que les producteurs qui est le couple bondo a sengaki permission pour que à produire Mike Kalambaï na stade de martyrs pour l'évangélisation à travers Banzembo et Nzambe. La question qui nous découle, parce que Makambo on a que journaliste bébé, comme go attaquer couple ya batu on a yebite ba mope ba yebigaite ba komi go ko attaquer Mike Kalambaï on to tikare ko kuta na tete to bela na kate mais en tant que défenseur des droits quelqu'un qui connaît la loi to se poser question qui gère le stade des martyrs. Il y avait un gestionnaire que nous ignorons encore leur nom. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que pasteur Mike Kalambaï à travers Majabu, est-ce que basenga qui permission na gestionnaire y a stade de martyr, nous disons haut et fort que oui, basenga qui permission. Quelle est la responsabilité de l'État congolais par rapport ce qui n'a l'année malobande konanga aro alobi par rapport à publicité nous c'est l'État qui disposition sécuritaire ni l'État congolais alors qui soit à travers ministère y a santé, soit à travers ministère y a intérieur pour la sécurisation, soit à travers ministère y a justice ou soit ministère affaires sociales. Disposition mini l'État congolais alors qui DG Chadrak on a premier élément. Deuxième élément DG Chadrak. Quand on demande autorisation, invitez ma belle la permission ou soit autorisation, il y a concert. Quand on va signer un mot, il y a pas mal homme que soit Mike Kalambaï comme artiste musicien, soit Majabu, va payer sa caution à l'État congolais. Bisso, ton mito, mais c'est ça, artiste, n'a bisso, n'a stade de martyr. Quelles sont les conditions Benga gestionnaire, il y a stade de martyr. C'est-à-dire, en bref, pour nous retirer la papa, n'a bisso, à Robo Kenge, à Loba, en bref, et Seigneur, la première instruction qui est qu'il y a à couper sa bombe dans la journaliste pour attaquer peut-être les couples bondo ou soit pour attaquer pasteur Mike Kalambaï, première moutou
na kokanga c'est le gestionnaire des stades des martyrs parce que azwaki kofu pe autorisation parce que là qui est il y a pour produire artistes musiciens. Est-ce que ce gestionnaire des stades des martyrs est déjà aux arrêts? Je ne sais pas. Très bien. Ndeko, avant de continuer, bon, Abéchou a soulevé un point important. Que nous avons s'attaquer à un couple Bondo qui est pris ici comme cible. Mais il y a quelques éléments où il retenir attention à l'abus parce qu'on a eu l'information à la source. C'est le plan sécuritaire. Madjabou avait d'abord travaillé dans la sécurité Mongo privé, une société privée à gardinage. Mais à part ça, on avait demandé à ce qu'il y ait déploiement de plus de 2000 éléments de la police nationale congolaise. Mais bizarrement, sur les stades des martyrs, les jours où il y a concert, Tomoni, la police et Tindaki, moins de 600 éléments. Qu'est-ce qui est à la base d'abord? Il y a problème. Il y a effectif d'abord, il y a policiers où il fallait qu'on déploie sur les stades des martyrs. Merci beaucoup, puisque tu es au niveau, à un point où il y a sécurité. En tout cas, j'aimerais avant toute chose, présenter d'abord nos condoléances à toutes les familles attristées. Parce que, on ne peut pas parler de réussite aussi longtemps que ma famille est isolée, la Pemène. Donc, nous partageons toute notre douleur, nous partageons vraiment ma condoléance, Nabi, sur les plus attristés à toutes ces familles. Au Bazoléla, nous sommes de cœur avec vous. Comprenez que tout ça, l'émission, ce n'est pas d'une part pour nous saluer nos passes, mais c'est pour éclairer la lanterne, pour que Moutounion soit à l'éclairer et que l'opinion publique, Moutounion se baille, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Négociadrec, tant que tu es comme un stade de martyr, moi personnellement, je suis arrivé vers 13h, 14h. Le stade était déjà plein. Le stade était déjà plein. Et la situation était encore sous contrôle. La situation était encore sous contrôle. Maintenant, là, c'est quoi, au moins, on a payé problème pesané, nickel. Je me suis renseigné en tant que chroniqueur. Mais il paraît que Madjabou avait payé pour avoir 2000 policiers et que dans le stade de martyr, il n'y avait qu'à peine moins de 600 policiers, d'ailleurs. Vraiment. C'est quoi, donc, au moins, tu es aux appelle Maramsous, mais policier, on peut pas sortir de la paix, on n'a pas ça à sécurité. Et t'as n'a pas de nini. Mais policier, on y est mort à comme il vous dit que le stade est plein, mais c'est le même policier qui sont en train de soudoyer pour que tu pas côté. Sur le taliba image, je suis resté analysé très bien à Banel, à Rebanel. Donc, à ce niveau aussi, il y avait un autre problème, bah, policier. Mais oui! À Bandaki, Mais oui! Au moment où on a stade de Tony, mais les policiers, à leur tour, on peut comme cop n'avant. On peut pas zoler. Comment on appelle Steve Kondago là, qui s'est déjà bah image à mais n'a pas sûr que c'est la image. Tant que tu as analysé, bah image à et bien que tant que tu as analysé image à surtout côté des ordres. T'as la tête. Au moment où on effectif, il y a pas policiers à concater place one. Sous pas ça même pas. Parce que des policiers contre combien il y a fou là-bas. Dans le Libosan, barricade, on a un nombre de policiers effectifs en Abassani. Mais on a plus un problème où on dit que les responsabilités sont partagées. Alors aujourd'hui, avoir cet acharnement, l'Ikolo et un couple, on a un couple, c'est un couple que je ne connais pas. On a dit qu'il y a un couple qui a pété. Mais ici, nous autres défendre bateau, on a promotion, il y a culture, il y a un beau cannabis. Mon frère, aujourd'hui, l'Ivoirien a un cannabis différent. Aujourd'hui, les Camerounais, les Gabonais, toute l'Afrique, le monde entier nous regarde différemment dans Makambo et dans les cultures. Pour nous, le couple, on a basali. Mais nous avons compris, acharnement, il y a un modèle, pour nous, autour, il y a un stade des martyrs. Ceux qui ont le même acharnement, pour nous, il y a un coup dans l'Est. Je pense que la solution est super. Mais bon. Le stade de martyr. Nous allons pleurer avec ceux qui pleurent. Ceux qui écoutent boutique et sous Madjabou. Aïe moko a kené sous le labaneko. Wassale qui accident ma camion, c'est comme un stade. Dans la Madjabou, j'ai vu que c'est la culture de l'excellence. Au moins, on a pu voir ça, on peut bien.
Mais acharnement, il y a des journalistes qui ont été en et comme on a dit, il y a des gens. Mon frère, vous imaginez que je suis à la télévision, dans ce temps-là, ben, Neko, Bissot, Yébi, et Nena, Bissot, Israël, Moutombo. Okay. Mais acharnement, un modèle, oh, on appelle comme une tourne. Est-ce que, oh, ça acharnement, tu es comme un signe, l'or, Moussous. Oui, il y a un coup dans le parce que j'ai vu qu'il a reçu les victimes. Aux journalistes, c'est très bien. Recevez les victimes, les familles, attristées, c'est bien. Mais, il y a un mot à Zolo, Bissousouke. Voilà, Madjabou Eya, il y a la médiation entre les familles victimes. Il y a un ministre des Affaires sociales. C'est grave. Ça, c'est grave. Au moins, il y a une intelligence. Intelligence, moi, contre le couple. Moi, je sais que Madjabou a une personnalité morale. Personnalité morale va sanctionner. Mais ma cambo au niveau des autres, il y a eu des concerts ici, au stade des martyrs, il y a eu le concert de Fali, Ipupa notamment, s'il faut le citer. Il y a eu des morts. Mais cette affaire ici, là, n'est. Et le Fali est libre. Calme. Et il va encore jouer d'ailleurs double stade des martyrs. Donc, vous avez dit que, ma cambo Oyo, Totika, le peuple congolais, ils sont tous autres là, tout Oyo, au salabolamou, tout fou là, on va matin. Kindo, qui est dans le monde, aussi, je dois le dire, c'est que, Moutou, au salabolamou, tout tiré dans le colo. Ce que tu as là, tu peux ça, bah, ivoirien, bah, somba, licence à Madjabou. Nabiso, nabino, tu revois la soirée, tu es comme au tal, la soirée. Ils ont qui dans le noir. Mais non, ils ont accident. Ils ont l'accident. Tout bon, ça, n'a pas famille attristée. Tout bon, ça, n'a pas victime. Bati, que la biso, bah, dans Zambeto, les labato, bah, koufi. On va adorer le Seigneur, on va glorifier le Seigneur. Tout au coup, ça, c'est un peu, n'a pas l'éla. Et tout va bien se passer. Très bien, Dekouaron. Et Gopé, ça. Bonjour, Chadar. Bonjour, Abécholé. Abécholé, Balobaka, dossier, ce qui est à niveau de justice, il faut qu'on paye sa justice. Dans un gros la banquette, bah analyser et puis bah établir ma responsabilité. Mais bizarrement, le dossier, oh la Majabou, Dekouaron, Outsukolobango, tout le monde y bat tout. Notamment, quelques journalistes, bah s'est transformé, bah on va commis le coup là-bas, juge. Ma banda ko émettre ba décision sur ce que la justice doit faire dans le dossier Oyo. Pourquoi Abécholé acharnement? Bon, DG Chadrak, merci vraiment. Place na linga na senga malubo parce que ndeko a bimisé le mot très important. Lelo na moni affaire à Majabou. Na yebi na nga Majabou te. Na yebi pété couple bon de zanini. Bandeko ba landa biso ba yebi pe que nous on s'occupe beaucoup plus na nini na politique. Mais en tant que Moutoua Dinga droitir paix justice, Nazo s'est posé dans Israël Moutombo. De mort au Salaman dans le stade des martyrs, il a fallu Poupa. Pourquoi pas à l'Obeda Kiangoboui? Qu'est-ce qui se passe derrière intelligence à Israël Moutombo? Toi, quand on a un Majabou, peine à combo et à couple bondo, on a évité. Voilà le premier élément. Déjà Chadrak, na ligne na Lobani, Totika, Majabou, na couple bondo, calme, parce que na banquette tout au sali. Toyoki qui a engagé déjà 16 000 personnes. Toyoki, 16 000 personnes engagées. Nakata 16 000 personnes, famille n'a pas zate, mais parce que au nom de la chose publique, pour l'intérêt général, et Seigneur tout le bel, le combat conseil, monsieur Betama Batbakoufa, Israël Moutomba, le babote. Entre guillemets, Israël Moutomba, c'est des netages, je crois que même business en Okita. Tout ce qui est Israël Moutomba, le babo, et ça est souci. Par rapport à dossier, il y a Mouyi Bamou et Salamagé na finance. Nenge, a diabolisaki, Nicolas Kazadi. N'a intérêt, il agit la lingette. Mais Awa, donc c'est-à-dire pour le Babi, a se spécialisé dans la diabolisation. A se spécialisé, je crois. Nassimawana, c'est-à-dire à l'air caché. Pour que Aloba, c'est qu'Israël. Pour la Mongo. Parce que pour ceux qui ont monté, bateau, bah, qu'on fait un concert à Fali. Ils ont un concert mondial. Mais on peut bien avoir un concert à Banzambi. Manzambo, pour mettre à Mabakoka, à Tambola, miracle au Salma. Pourquoi diabolisation? Il y a eu 30 000 âmes gagnées. Alors, il y a moi, papa, remercie 30 000 âmes gagnées. Merci. Botique la biseau couple bondo. Peu, Majabou calme. Mais bon, l'année, l'État congolais, en commençant par les gestionnaires du stade des martyrs, si Israël nous mettait un vrai journaliste, il n'y a quoi attaquer. Na couple bondo, il n'y a quoi attaquer. Na Majabou, il n'y a quoi attaquer. Na Mike Kalamba, il n'y a quoi attaquer. D'abord, quoi attaquer. Na gestionnaire du stade des martyrs, je crois, bateau, bah, ça, il doit, bah, l'année, biseau, à Mouliké, tout ça, la logique, que, bah, il n'y a pas bandawana. Parce que, bah, il y a un nombre à stade.
stade des martyrs. Bali combien de personnes bako kota na stade des martyrs. Bayebi na pelouse combien de personnes bako kota. Pourquoi bazo attaquer te bazo attaquer na moto a sengaki invitation pour gabe ta na stade des martyrs. Boutique diabolisation toi na pensa Congo ke de liboso. Émission to sagina la fois passé ba benga balbi ke bato ya Côte d'Ivoire. Bazo senga kacha majabu nenge le kaboye na Côte d'Ivoire ba na posa ba banda obetisa majabu ne ba betsa ngoku na mais na Congo journaliste mongo ya mongo ya ba politicien diabolisation non Israël Mutombo cesse avec cette diabolisation ça suffit ça très bien très bien très bien et nous allons parcourir avec mon frère Aro et DG Chada parcours pour la relever la makambo ke makambo ici très bien to sengi vraiment peine na couple bondo et puis même na structure majabu ba ça la éveiller na likambo etali concert oyo voilà. Ba famille ya ba victime wana ouais, balande la il faut les prendre en charge balande la makambo et ça doit être accompagné par les médias voilà. Yeba TV est prêt toza wana to kolande la procédure oyo malembe malembe ti eko kende na suka c'est-à-dire muto ko yate abanda ko kosa bino pour voilà. Toi ba journaliste mususa ko zwa makambo a traitant autrement pour que Abima gagne na kati ya dossier X ou Y ndeko Aaron tozaka kana kati ya diabolisation oyo bazo sala couple bondo mais moi je m'interroge na yeba qui est derrière ça parce que ce n'est pas la première fois oyo couple bondo a sali moi actualité na na toile na biso tout monde qui peut récemment sorti médiatique. Il y a pasteur Moïse Mbillé. Il avait dit des choses vraiment intéressantes et j'aimerais avoir la précision et pas Nayo. Pasteur Moïse Alobaki, je cite ce qu'il avait dit. J'ai refusé d'être dans certaines choses. J'ai dit non parce que je sais quelle puissance opère derrière ça. Et puis, ces personnes, quand il a refusé, je sais très bien qu'il a mis tout et puis tout le monde a compris qu'il s'adressait directement na couple bondo alba ki ba ça qui est ma pata et colline de la yo pourquoi sortir dire des pareilles déclarations. Merci pour la question Anna. Ici j'aimerais dire que nous sommes le corps de Christ tozaba na nzambe et moi je suis chroniqueur gospel, je le répète plusieurs fois pour dire que je respecte le pasteur Moïse Mbillé, je respecte tout ce qu'il fait, je respecte Baba Ndimine, Baba Fidèle Naye. C'est parmi aussi les grands du monde du gospel. Très bien. On ne peut pas le négliger. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc, à propos Oyo, pasteur Moïse Mbillé Lobby, quelquefois ça choque. Pourquoi? Mais en tant que balançant, mes photos, elle est capable de. Il y a qu'à identifier l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. Nous ne combattons pas Bisson à Bisson. L'ennemi, c'est le diable. Dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Mais aujourd'hui, pour dire que je ne sais pas quelle puissance est derrière, je me suis renseigné. Mais si réellement, Aébi puissance, c'est un assimilant. Et tous les cadeaux qu'il a reçus de Papa Roy, pourquoi il ne les a pas reçus? J'aurais appris. Il a reçu pas mal de cadeaux de la part du couple Roy Bono. Oh, on a tout na yebi koutouté. Bah, yebi nga ite. On peut te répéter mon balabon. Mais il a reçu des cadeaux. Mais il faudra, alors, si réellement, mais à zon que ça monte. Mais qu'il les remette. Mon pasteur Mike a rappelé qui est le Kouana. Est-ce que. Qu'il les remette. C'est pas. Yebi koutouté, c'est un assimant. On a été au gardé, bah, bilou, on a bon point. Est-ce que ce n'est pas un conflit entre Moïse Mbillé et Mike Kalambay? Concernant couple Bondo. Apparemment, bah oui, il a couple Wana. Selon lecture, tout ça va la Congo, tout ça va Kinoa, tout le bisounio se fait place aux Arolia. Sauf mon tout soir au Molia Wana. Et puis mon tout yomoro branché, il m'a comme Molia Wana. Et ça là, moi. Et ça là, moi, pas Simon Rouya. Moi. Et je pense que c'est le sentiment qui anime le pasteur Wismier. Moi, j'aimerais dire aujourd'hui une chose, c'est que il faut que nous soyons conscients de ce que apporte Majabu ici en République démocratique du Congo. Très bien. Ça ne sert à rien de se tirer des balles comme ça devant tout le monde. Et je pense que aujourd'hui, dire que Majabu est au Salamabe, est au Kouta, parce qu'il y a des choses à l'objet qui est basé engagé. Tu as le nombre d'emplois, ma PC, ma jeune. Mais aujourd'hui, sur Bakani Majabu, est-ce que vous avez un niveau et vous avez un chômage? Vraiment. Est-ce que vous avez un niveau culture congolaise, le gospel sera rétréci en arrière? Mais il y a le bas, c'est que le drame est arrivé,
laisser au couple Bono, je dirais à Madjabou, de prendre sa responsabilité. Madjabou a ça l'excellence. Pour n'en avoir dans le sein, à Baromba, côté d'être dans le sport. Au moins, la question est Madjabou, il y a ça, il y a tout, il y a tennis, il y a Pamba. Au moins, la excellence, na Kati. Mais nous, besoin ça, ma bien, tout comme il s'en est pour l'année. Tout comme il s'en est pour l'année. Donc voilà un peu Ndeko Shadrack. Très bien. Tout comme vraiment la souka et l'émission d'Abisso, Abbé Cholé, les mots de la fin, n'a évité pour conclure. Merci vraiment par déjà. Rapport Chardin. À dossier d'abord Oyo. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir en bref, pour conclure l'émission? En bref, notre dossier à Madjabou, c'est que nous devons retenir. Commençons d'abord dans l'État congolais. L'État congolais a abandonné la commune Kangaye Moko. Tout ça derrière, couple Bondoté, Nindekwaro, a évité tout ça, tout ça, évité Madjabouté. Premier fatou le Béramo, parce que tout comme nous avons une diabolisation sur l'État. L'État congolais a l'année là. Gestionnaire à stade de martyr, parce que tout le monde qui a des informations, il y a une sécurité dans la police et Bimaki. Mais pourquoi tout comme ici à niveau tout comme il y a un moyen de continuer, peut-être prochainement, tout y a tout le Béramo à long et large, là où il y a la vérité. Merci à DG Shadrack, merci à Ndekounanga Aron, pourquoi pas Steve Kou, des petits génies, Namoni Mitterrand, après nous c'est avec Pasteur Guili, pourquoi pas Meshak et Mike Tiswaka, Namoni mon frère. Et le pasteur du pasteur Guili, vous voyez, j'ai oublié les noms, hein? Tas de choses, que Dieu vous bénisse, merci. Très bien, mesdames et messieurs, tout comme une souka, mais Nazara qui n'a moi, Liloba pour un couple Bondo, c'est un couple que je ne connais pas personnellement, mais à travers leurs actions, à travers ce qu'ils sont en train de faire pour ce pays, j'aimerais vraiment les féliciter. Couple Bondo, en tout cas, merci. Vous savez, dans ce pays, donc souffrir na monde de télévision, quel contenu est proposé aujourd'hui? Côté na TikTok, côté na ba Facebook, na ba réseaux sociaux, nous sommes au que pour nos enfants et même pour les adultes, monde y a audiovisuel et qui contribue à la destruction et à l'avenir, il y a peuple congolais, il y a jeunesse, et même il y a jeunesse, même il y a ban amitié dans la République démocratique du Congo. Mais couple Bondo a eu le projet au Madjabou, quel contenu, quelle qualité il y a contenu, et qu'on édifie, et qu'on encourage, et puis ça attire des gens vers le Seigneur Nzela et Nzambe. C'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir au peuple congolais, Alors, couple Bondo, Bolembate, Oyo, Eza, Nango, Kaka, Guerre, Ngonga, Ekoleka. Mais tout ça, Nabino, ça embellit le mandat du chef de l'État. Oui, ça embellit. Et même ça embellit. Il n'y avait pas ça. Parce que, voilà, combien la monde a bien sur la route qu'on citait, à plus de 16 000 employés. Oh, c'est à encourager. En tout cas, Bato, Bako, combattre couple Bondo, tu as annoncé Bino déjà qu'il y a beaucoup réussi. Nous allons combattre le chef de l'État. Nous allons combattre en vain. Tout comme Nasuka, mesdames et messieurs, on vous retrouve prochainement dans cette émission Éveil Patriotique. Restez branchés sur Yeba TV. Bye. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.